Salut Farida. Oui. Salut. Ça fait plaisir de te revoir. Ça va, mais moi il y a plein de nouvelles têtes là. Je sais plus dans quel à la chaise musicale. On a plus de repères là. Et toi, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Écoute, oui, je vois que t'as une mine superbe. Et alors, t'as pris la place de la patronne. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Je pense que t'as eu meilleur temps en Chine que moi au ski, mais bon. Oui, parce que je disais de Corse, en fait, t'étais en Chine. Oui. Cette dernière semaine, on en a parlé parce que t'es parti faire un documentaire qu'on va bientôt voir sur les écrans de France 5. J'espère. Bah oui. Voilà, ça s'est bien passé, c'était chouette. Oh, très très bien. Je vous ai rapporté plein de recettes de Chine. Bon. Donc, vous inquiétez pas. Hein, je ferai... un petit canard laqué, mais pas que. La Corse, c'est sympa aussi. Et d'ailleurs, je suis allée, là, j'ai terminé mon périple Corse à Tox, un petit village au centre de la Corse. Et j'ai terminé par la crème de la crème. Vous savez, je dis souvent que la cuisine, c'est de la culture qui se mange. Et bien là, aujourd'hui, cette phrase prend tout son sens. C'est une belle phrase. Non, mais il faut y réfléchir. Qui a dit ça déjà? Un poète, certainement. Un chanteur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, là, ça prend tout son sens parce que j'ai terminé par l'emblème de la cuisine, l'emblème de la culture gastronomique corse, à savoir sa charcuterie et notamment son jambon. Qu'est-ce qu'il a de vraiment spécial, ce jambon? Alors déjà, il est fabriqué avec des porcs corses. Eh oui, ça existe. Des porcs corses qui sont vraiment une spécificité. Des gros porcs corses. Voilà, mais je vais vous raconter un petit peu l'histoire des porcs corses qu'on trouvait déjà à l'époque du néolithique. Vous commencez pas, vous deux. Vous commencez pas. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Alors non seulement ils ont, alors ce sont des porcs de la race Nustral. Ils ont un type donc physique assez particulier puisqu'ils ont. Pourquoi tu regardes ça souvent? C'est parce que, alors tu regardais pas, c'est parce que les écrans sont juste derrière lui, c'est pas sympa. Vous avez mis les porcs juste derrière Gérard, donc du coup c'est comme si je regardais. Pour marquer la différence. Donc en fait ils sont souvent croisés. Alors là le porc est derrière. Ils sont souvent croisés avec des sangliers. C'est important qu'ils aient des repères. Ça suffit. Stop. Ces porcs sont souvent croisés avec des sangliers, donc du coup ils ont des poils très longs, bruns. Tu vois, c'est pas comme toi. Ça qu'on peut différencier. Voilà, ils ont des longues oreilles très pendantes. Et là, elle regarde très bien. Et le groin. Ils ont le groin pointu. Ah, le groin. Oui, la truffe fraîche. Ils ont le groin pointu. Voilà. Ah, oui. D'accord. Mais c'est pas ça qui va donner vraiment la spécificité. C'est sa chair qui est excellente. Alors, non seulement sa chair, mais c'est surtout l'alimentation qu'ils ont. Oui. Mais je vous en dis pas plus parce que j'ai dit tout dans mon reportage. Ton sujet, alors. Tu l'as fait avec qui ton sujet? Je l'ai fait avec Maxime Buatier et un montage de Pauline de la Taillade. Bon, ouais. Deux charmantes jeunes filles, Wonder Woman. On les embrasse. La charcuterie corse est considérée comme l'une des meilleures au monde. Le jambon sec corse en est son emblème. J'ai rendez-vous au centre-est de la Corse, près d'Aléria, où Pierre-Antoine va me livrer tous ses secrets, ou presque. Hello Pierre-Antoine. Bonjour. Comment ça va? Je t'attendais pour donner à manger aux cochons. Eh ben disons, c'était dur de te trouver, hein? Eh oui, oui. Eh. Qu'est-ce que tu leur donnes à manger? Donc, là, par exemple? Ça, c'est une commande de céréales. D'accord. Donc, de l'orge, du blé, un peu de maïs. Donc, ça, c'est un aliment qui sont pour la croissance. Oui, parce que j'imagine que de la nourriture dépend la qualité de la charcuterie. C'est ça, voilà. Le goût, en tout cas. Exactement. Donc, ce qui va donner la particularité de la charcuterie, à aussi, c'est vraiment la finition aux glands et aux châtaignes. Ah oui, alors, manger des glands, manger des châtaignes, hein, parce que là, voilà. Nous, on aime. Hein. À quel âge tes porcs arrivent-ils à maturité? Ils sont abattus au minimum à... Donc sur le cahier des charges de l'AOC à 12 mois, mais la pratique c'est au minimum 18. Les animaux, on les voit grandir, on les voit évoluer, on sait ce qu'ils mangent. Après on transforme cette viande, on la fine, on la vend. Maîtriser toute la chaîne du produit, c'est quelque chose de très intéressant et de prenant. Farida, maintenant on va aller, je vais te montrer comment on transforme. Alors avec plaisir, allez je te suis. Donc ici, on est dans l'atelier de découpe. D'accord. Donc c'est là qu'on va transformer tous les animaux et c'est là qu'ils arrivent prêts à être découpés. D'accord. Ah oui, là, effectivement, c'est on a la belle bête, là. Voilà. Ah bah, il est beau, là, notre jambon. Oui, hein. Donc là, il est fini. Terminé. Il est paré, oui. On va le mettre en sel. D'accord, c'est-à-dire? Donc c'est-à-dire on va le couvrir de sel et le frotter. Donc on va le mettre dans la chambre à froid de salage. Maintenant par contre on va en prendre un, justement qu'aujourd'hui on doit dessaler. À l'eau froide, oui.
Que maintenant, on va l'accrocher dans la salle de repos. D'accord, pendant combien de temps? Il va rester à peu près 2 mois, il va perdre... Il faut qu'il ait perdu 18% de son poids. Celui-ci, il a perdu ses 18%, on va le mettre dans la salle de fumage. Après le fumage, le jambon va sécher 6 à 8 mois. Il va alors perdre 30% de sa masse. Et ensuite, on passe à l'affinage. Waouh! Ah, ça sent bon là. Hein. Ouais. Quel âge ils ont tes jambons? Alors ça, c'est des jambons qui ont 14 mois. C'est des jambons de l'an dernier. Ah, donc de la fabrication à maintenant, ils ont 14 mois. Oui. Et donc, combien de temps en salle d'affinage? Donc là, qui sont dans cette salle-là, ça fait 6 mois maintenant. D'accord. Alors, comment on reconnaît que ton jambon, là, il est bon? On a un os pour un os à sonder. Un os, c'est-à-dire? Ouais. C'est un os de cheval. Qu'est-ce que c'est que ça? Quand on va le planter, l'odeur, elle va rester sur l'os et on va pouvoir sentir si le jambon, il est bon ou pas. Tu vois ça? Oh là là, pff, c'est une merveille. Donc, il y a un endroit ici, précis. On ressent tous les parfums, tous les arômes du jambon. Eh bien, justement, Farida, on va aller le déguster à la boutique. Ah, oh, enfin, enfin, allez. On va le manger. Il est à moi, celui-là. Allez, hop. Je présente ma femme, Stéphanie. Bonjour, Stéphanie. C'est elle qui s'occupe de la boutique à Alire. Ah, mais c'est une belle boutique, hein. Ah, oui. Alors, goûtons le prisotto. Il est bon. Il est ferme, mais à la fois onctueux. Il est fondant en bouche. Et même des petits arômes de noisettes, je trouve. Oui. Pierre-Antoine, je sais que toi, tu préfères le consommer brut. Hein? Oui. J'ai fait une petite préparation. Ah, allez. Oui, parce que je sais que tu es un peu récalcitrant hein, quand on travaille un peu tes produits. C'est une petite bouchée au concombre avec du fromage frais de chèvre, du basilic, une pointe de miel. Je vais goûter. Vas-y. Stéphanie, je te laisse goûter. C'est bon. Ouais, franchement. Bon, alors ça vous a plu? C'est frais, ouais, bon. Après, c'est vrai? Non, vraiment. Je t'ai converti un peu? Oui, bon après. Oui et c'est... non. Non, c'est pas quelque chose que. Bon, allez. Ça masque un peu le. Voilà, ouais. Mais oui, bon, mais pour un petit apéritif, vrai, un petit apéro, c'est vrai, ça c'est le fait. Et bien justement, je vais vous faire la même recette sur la quotidienne. Ils ont l'air sympas, ces producteurs corses. Alors, là. Tu t'es bien amusé, hein? Je me suis éclatée, mais ils sont bien plus que ça. D'ailleurs, vous êtes régalés, là, pendant oui. le... Oui, c'est délicieux. Mais je voudrais quand même dire un truc. Hein, dès que Maya est partie, vous oubliez le jambon de Bayonne et vous faites l'apologie du jambon oui. corse. Oh, c'est vrai. Maya c'est vrai. On t'embrasse quand même. On aime on retourne, aussi. On retourne nous, on très aime vite tous maintenant. Les ouais. Voilà, c'est ça. Bah, on va passer des jolis dans le maquis, il en reste quelque chose. Envoyez-moi dans le sud. C'est vrai qu'il est très bon le jambon. Il est pas mal le jambon corse. Mais ça va être sympa le maquis. Hein. Moi j'ai passé un bon moment et les deux producteurs, les deux jeunes producteurs, donc c'est Stéphanie et Pierre-Antoine, ont été absolument charmants. Et ce qui est fabuleux, c'est qu'ils essaient de perpétuer une tradition familiale. Parce que ce sont des gars du pays, hein. Ce sont des jeunes du pays. Ils auraient pu partir un petit peu partout. Qui dans un village de montagne, à Tox précisément. Voilà, tout à fait. Donc perdu dans le maquis. Et justement, cette charcuterie, on en trouve un petit peu dans toute la Corse. On en retrouve dans toute la Corse. Mais il faut impérativement que les cochons corses se baladent dans les hauteurs. Donc il faut que ça soit quand même un territoire un petit peu en altitude, entouré de châtaigniers et de chênes verts. En même temps, sur la charcuterie corse, il faut se méfier. Non, il y a beaucoup de contrefaçons, d'abus. Ne m'en parle pas. Oui, mais alors comment on fait ? Alors, c'est compliqué. Tu sais que c'est compliqué parce que même en Corse, on n'est pas sûr de manger de la charcuterie corse. Mais non. Parce que la vraie... Mais oui, même en Corse. Parce que la vraie charcuterie corse, comme je vous l'expliquais, il faut qu'elle soit fabriquée avec des cochons corses, donc qui ont mangé des glands, qui ont pris le temps de gambader dans la forêt, qui... Voilà. Et oui. C'est pas possible. Hein. On a dit au début de l'émission que la violence était interdite. Cette violence. T'es consentant, Gérard. Bon, bref, t'es hyper consentant. Donc, pour reconnaître la charcuterie corse, parce que c'est vrai que sur nos marchés, notamment les marchés de Noël, sur les foires, charcuterie corse, il y a des prix, mais des prix hallucinants, des prix au vrai. Saucisson d'âne. Saucisson d'âne. Alors qu'en fait, le souci, c'est qu'en Corse, la demande est. La demande est supérieure à l'offre, puisqu'il y a de moins en moins de cochons dits corses, des cochons endémiques de la Corse. Donc du coup, ils sont obligés d'importer des cochons d'Europe de l'Est, et j'ai même entendu même du Brésil. Donc effectivement, la charcuterie est fabriquée selon les méthodes traditionnelles de Corse. Ouais. Corse. Mais importé, avec des cochons qui n'ont pas forcément mangé des châtaignes ni des glands. Ouais. Donc du coup, on se retrouve avec la saveur en moins, donc c'est un peu dommage. Voilà. Sauf que par contre, les producteurs, ils oublient des glands. Sauf que les producteurs, ils oublient de mettre sur leur étiquette
que ce ne sont pas des cochons, des cochons corses. Donc il y a Meya et les AOC quand même. Heureusement qu'il y a les AOC. Donc toujours, hein, moi je vous le dis tout le temps, les étiquettes. Valérie, tu nous le dis aussi. Vérifiez les étiquettes. Il faut vraiment apprendre à lire. Hein, et donc, il faut apprendre à lire. Bah, c'est pas compliqué, AOC. Oui. Ce n'est pas compliqué. Donc AOC. Bah, enfin, moi, depuis que je fais cette émission, je passe 3 heures à faire mes courses. Du coup, tu perds du temps. Bien en fait. Vérifie tout. Et du coup, donc, sur les étiquettes dans les foires, etc., ils indiquent souvent charcuterie de type corse. Ah, charcuterie de fabrication corse. Ah, et ben vous exigez, vous lui demandez, mais vos cochons viennent d'où? Et vous essayez de négocier. Et dans ce cas-là, vous essayez de négocier les prix, parce que ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise charcuterie, puisque ils ont. Mais prenez pas pour un gland. Le soin. Voilà, mais prenez pas pour un gland. C'est toi qui le dis. Donc ne prenez pas pour un boum. Et donc demandez l'origine des cochons. Très et bien. Comme ça, ça vous permet de négocier les prix, parce qu'ils appliquent les prix sinon prohibitifs. C'est. Merci Faridouille. Vous en prie. On passe au bonne dégustation.